Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans. Aujourd'hui, j'ai fait une petite étude concernant la cathédrale de Rouen et la flèche qui a pris feu. Hein, cette flèche qui est tellement haute que comment est-ce qu'elle a pu prendre feu toute seule? C'est impossible. Donc, j'ai fait une petite étude géomantique concernant la cathédrale. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Eh bien, il en est sorti avec Albus, le blanc, la clarté. C'est effectivement un endroit de bonheur, c'est un endroit d'humilité, c'est un endroit de paix, c'est un endroit de pureté qui, encore une fois, a été attaqué. Et avec Albus, souvent lorsqu'il s'agit de la santé, eh bien, on nous dit attention aux inflammations ou à tout ce qui brûle. Tiens, tiens donc, comme par hasard. Ensuite, j'ai sorti Acquisitio. Et Acquisitio, c'est quelqu'un qui, justement, connaît très, très bien son travail. Quelqu'un qui a de hautes responsabilités. Donc, ça a été commandité par un personnage qui a une très haute responsabilité politique ou autre, qui a commandité, cet incendie. Puisqu'on nous dit que c'est pour le profit, l'argent, les placements fructueux, les ventes et les achats immobiliers. Tiens, tiens, tiens donc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait et qui a dû toucher une très très belle somme d'argent pour que ça arrive. Et puis ensuite, la réponse avec Caput Draconis, qui est la tête du dragon. Et là, la tête du dragon, eh bien, c'est tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est concernant le travail, une création, une entreprise et une discipline, mais vraiment très, très perfectionnée. Quelqu'un qui doit savoir extrêmement bien et connaître bien la discipline, par exemple, hein, de la remise en état de cette flèche et donc de la cathédrale de Rouen. Voilà donc Caput Draconis, lorsqu'on veut une réponse, eh bien c'est la réponse positive. C'est une évolution, une élévation, un progrès social et surtout la maîtrise de ce qu'on fait. Donc est-ce que c'était un incendie volontaire? La réponse est oui, d'après l'étude géomantique. Voilà mes petits loups, très courte capsule, mais qui méritait d'être postée. Parce que je savais, je vous l'ai dit dans le live de vendredi, que ce n'est pas un accident, que ce n'est pas du pur hasard, et que c'est bel et bien volontaire, comme ça l'a été pour la cathédrale de Notre-Dame, et comme c'est aussi, ce n'est pas un hasard, qu'on déboulonne nos saints, qu'on déboulonne l'archange Saint-Michel, qu'on déboulonne ce qu'on peut déboulonner et puis qu'on détruit ce qu'on peut détruire. Donc je pense que la personne qui a fait ça, elle a reçu des ordres de quelqu'un de très haut placé, que cette personne savait très bien, connaissait très bien les lieux et donc elle savait très bien comment faire pour créer cet incendie. Alors vous savez maintenant, vous allez me dire oui, mais c'est très haut, c'est très haut. Mais il y a tellement de technologies, il y a tellement de pulvérisation, on va dire, qu'un simple petit drone aurait pu pulvériser quelque chose et un autre y mettre le feu. Un petit laser, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je sais, on va encore me prendre pour une complotiste. Et pourtant, c'est ce que je vois. Donc voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous. Et puis... N'oubliez pas ce que nous avaient donné comme message les Templiers. Ils nous avaient dit de nous rapprocher de tous les lieux à très haute vibration énergétique positive, et notamment tous les lieux où les noms commencent par Notre-Dame. Voilà, gros bisous et à bientôt.